Ça marche. J'espère que... Mais c'est de la merde! Ok, ça a l'air bon, ok. Précédemment dans Alone in the Dark. Elles sont sorties de son corps comme... Bon, ferme ta gueule, c'est bon, je m'en souviens, c'était il y a 5 minutes. Quoi? Oh non. C'est quoi cette histoire? C'était ça le checkpoint? Ah, tu as oublié, mais ne t'inquiète pas, j'ai gardé les clés de ton esprit. Maintenant, donne-moi ma pierre! Je l'ai pas, ta pierre! Et puis va te faire foutre! Va te faire foutre! Putain, faut que je me retape tout ça! Est-ce que Wooly parviendra à maintenir son stream? Oui, bah non, regarde, j'y suis arrivé, tu vois. Vous avez pas confiance en moi! Ta gueule! Bien, on va la redéfoncer à coups de katana. Voilà. La caméra qui part aux fraises. C'est bon ? Putain, c'est quoi qui me bloque? Mais nique-toi! Putain, elle se relève. J'arrive pas à vous suivre. De John Cena. Ah. Ça va. Ça va, tranquille. Allez, c'est reparti pour un défonçage de porte d'ascenseur. Sasuke ! Naruto ! Oh, attendez, attendez. Je m'appelle Sarah Flores, je suis marchande d'art. Ouais, ouais, super. J'avais rendez-vous avec un... Nick. Putain, je peux pas zapper. Oh, vous êtes pas flic? J'en sais pas plus que vous. En fait, je me souviens de rien avant mon réveil ce soir. Ni de mon nom, ni de mon adresse. Vraiment rien. Génial. C'est mon génial. Mon serveur est encore plus paumé que moi. Eh oh! Est-ce que quelqu'un m'entend? La police? C'est bon, arrêtez de crier. Ils sont sûrement morts. Ou pire, quelque chose pourrait quelque vous entendre. Quelque chose? Vous savez quoi? Même les rats en ont rien à foutre de nous. Vous avez pas vu ce que cet enfoiré fait aux gens? Bon, ça suffit. Pour l'instant, le seul enfoiré ici, c'est... Oh putain! C'est quoi ces trucs? Votre équipe de sauvetage, apparemment. Oh.
C'est chiant. Je crois que ça va. Je vais mettre dans le stream. Silence. C'est quoi ce truc? Bon, arrêtez de crier là. Allez, fais-moi la courte échelle. N'essaie surtout pas de profiter de la situation. Arrête de rêver. Toi qui tiens à montrer ton cul. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On se croirait sur le champ de bataille. Bon. Alors il y avait du loot là. Qui est tombé comme une vieille merde. Et là, il y a une boîte de balles. Là, on va remettre le courant. Putain, on voit rien. Le courant qui fait bouger les chandeliers. C'est fort. Hein. Arrêtez de dire des conneries. Vous me déconcentrez. Ah oh, tirez-vous! Me touchez pas! mais oui! Au secours! Vite le feu, vite! C'est marrant, elle est censée être là normalement pour démarrer un dialogue. Tête de nœud, t'es qui toi d'ailleurs? Rejoins-moi. Plus de douleur, plus d'angoisse. Il suffit de mourir. T'as vraiment le sens des affaires? Non. Ah oh, putain, mais. Laisse-moi le temps de réagir hein, quand même. Vas-y, je peux encore prendre ma chaise en feu là? Ah non, elle brûle trop. Non! Non! Il y a une autre chaise là. Le feu! Putain, il y a une hache de... j'ai le choix entre une hache de pompier, un extincteur et une chaise en bois. La chaise en bois, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace, quoi. Putain, c'est un one-shot. C'est énorme. Génial. Tu veux bien descendre génial. Pour voir si la voie est libre. C'est génial. J'espère que rien de pire ne nous a... Au secours. Au secours. Putain, ça va encore blablater avec Paddington. Nick. Y'a pas un truc pour zapper les cinématiques? Je suis heureux de te revoir, Edward. Ils nous ont attaqués. J'ai réussi à semer Crowley et à me cacher. Mais il va revenir pour la pierre. Mon Dieu, je croyais que je ne te reverrais jamais. Doucement, vous êtes blessé. Tu le connais? Non, je crois pas. Je sais plus. Mais comme je te l'ai dit... Il ne me reconnaît pas.
Je m'appelle Théophile Paddington. Je suis désolé, Edward. Le rituel a complètement secoué ton psychisme. Et tes souvenirs ont été sacrifiés à ce moment-là. C'est Crowley qui est responsable de ce chaos. Il m'a obligé à récupérer la pierre. Théophile, si vous me connaissez, dites-moi qui je suis. Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Maintenant qu'il est libre, nous n'avons d'autre choix que de suivre la voie de lumière et de l'arrêter avant qu'il n'engloutisse toute la vie. Ouais, je vais faire une sauvegarde, là. Hé, vous parlerez du passé une autre fois autour d'une bière, d'accord? On n'est pas en sécurité ici. Il faut partir. Squalala! Il faut partir. Pan! Pan! Bon, je vais faire une sauvegarde ici. Parce qu'en fait, on est censé pouvoir charger n'importe quel chapitre. Bon, vas-y. Mais non, mais putain! Mais connard! C'est terrible les drops comme ça. Tu sais, la route est pas censée s'écrouler. Il faut retourner là-haut si on veut atteindre la sortie. Oh là là, ce dérapage contrôlé, oh là là. Oh là là. Allez, cette fois. Cette fois, c'est la bonne. Yes. Oh, il y avait un couple. Il y avait un couple DCDS sur un canapé. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ferme ta gueule. Ah. Ah. Nitro, for speed. Bon, j'aurais trop de quoi me soigner ici. Non, toujours pas. Tout va bien, Théo. Ah, j'ai un briquet. On va vous emmener à l'hôpital. Ah, j'ai non, toujours pas me soigner. Ça va aller. Il faut qu'on rejoigne le parc. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le parc? Vous le saurez bientôt. Vous êtes. J'ai un briquet. Quelqu'un là? Ah oui, il y a un mec qui meurt. Génial. Alors. Là, on a un taxi tout. Ah, faut que j'arrive à la cramer la... Ah putain.
musique. Putain. Ah voilà, elle va aller dans le feu. Non, c'est moi qui vais dans le feu, putain. Ah! J'en ai marre. Putain, la dernière fois que je l'ai fait ça, je me rappelle, j'avais réussi à niquer la fissure tout de suite en lui jetant la chaise enflammée. Oh putain! Ah salut Alex! Ah vous partagez les comptes. Ah tu veux dire oui, c'est parce que vous êtes au même endroit quoi. Bien sûr, c'est vrai que maintenant vous habitez tous ensemble. Le feu... Le feu... Alors le feu, on se méfie pas assez, mais le feu, c'est dangereux quand même. Ça brûle. Oh ! Quel génie ! Ah, j'ai juste posé la chaise dessus. Et ça l'a niqué. Énorme. Putain, mais je lis pas le chat ! Tes jambes, ça m'a rappelé les phases en voiture de Hunter the Matrix. Ah oui, c'était bien pourri ça. Non, c'est après, c'est juste après. Bah, c'est, je vais monter dans le taxi là et ça va être maintenant la phase où on se barre. Ah là, il y a deux. Ah oui. Oh non, non, je veux pas du cadavre. Pour me soigner. Oh. Oh. C'est tout? J'avais que ça comme blessure? Non. Peut-être le fait d'avoir redémarré le jeu après le crash de tout à l'heure. C'est une vraie astuce de speedrunner. Ça craint rien, j'ai trouvé un taxi. Il y a déjà les clés, c'est parfait. Allez, on y va. Bon là ça va être un moment d'anthologie là les gens. Soyez prêts. Hein. On dirait que l'hôtel a été bombardé. Sa vengeance depuis des siècles. C'est de ça que je t'ai affranchi, Edward. Ce qui était enfermé dans la pierre. Et cette chose veut la reprendre, je me trompe, Théo? Mais qu'est-ce qu'elle a, cette pierre? Ouvre le coup, frère. Vers le parc, vite! Allez, c'est parti, allez! Oh merde! Ah ça va, on recommence tout de suite. On va pouvoir mourir plein de fois, c'est pas grave, y a pas de chargement. Ah, allô les FPS, allô.
Non! Ça va, ça va. Allez, easy, du premier coup. Ça va, ça va. Au musée avant qu'il ait rassemblé une armée encore plus grande. Quelle armée? Mais putain, mais qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que tout le monde va bien? Non, ça va pas. New York, c'était mieux avant. Et moi, je deviens cinglé. Cette secousse faisait 10 sur l'échelle de Richter. Je t'ai pas demandé de me suivre. La ferme, tous les deux. On se calme, Théophile. Alors vous allez poser ce flingue, vous voulez bien? Tu es le seul qui puisse mettre fin à tout ça, Edward. Je suis trop faible. Tu dois suivre la voie de lumière comme tu t'es préparé à le faire toute ton existence. Mais c'est quoi la voix de lumière? De quoi est-ce que vous parlez? Voici la pierre que tu as portée trop longtemps. Elle est quasi inoffensive à présent, mais entre de bonnes mains, son pouvoir reste intact. Tu es notre seule chance de salut. Je ne serai jamais ta marionnette, tu entends? Retrouve-moi au musée, salle 943. Non! Putain, la musique est vraiment trop cool. Oui! Ça va aller. T'es en état de choc. C'est pour ça que tu sens rien. Le musée est à 30 blocs d'ici. Si tu veux y arriver, il faut arrêter le saignement. Tu comprends ça? Alors, ah oui, j'ai 7 minutes. Tu perds beaucoup trop de sang. Tu vas pas. J'ai une blessure. Ah oui. Mais en fait, ça sert à rien. Je suis en train de juste gaspiller mon spray. Ah! Garde toujours une bougie près de toi. Oui! J'en ai pas, mais ça va le faire. Merci Nyrix, et bonne nuit à toi. Je sais pas ce que je fais avec mon doigt là.
Ah si, ça a mis en pause le timer. Le timer de décès. Donc c'était pas si inutile. Ah. Bah, il faut que je prenne le téléphone de machin là. Une ambulance! Ils pourront peut-être nous aider! Quoi ça? Des piles. Des piles, okay, pour la lampe. Encore une fois! Allez, aide-moi! Je sais pas ce que je fais avec mon doigt. Titre. À l'aide! Par ici! Titre sur 20. Je vais m'évanouir. Bon, écoute, tu restes ici, d'accord? Je m'en occupe. Hey. Sois prudente. T'inquiète pas, je parle pas aux inconnus. À part à toi. Le téléphone de Théo. Appelle le 911, ils pourront peut-être intervenir. Ouais, ok. En vrai, ça va, là. La VF est pas trop dégueu. Toujours vivant. Alors même ces fissures veulent pas d'un gros tas de merde comme toi, hein? La ferme. Paddington a eu tort de donner la pierre. Elle m'était destinée. Alors tu nous as vus, hein? Où est-ce que t'es? Allez, amène-toi. Et oublie le frisson de la chasse. Et les fissures s'intéressent à toi de très près. Mais rassure-toi, je viendrai le moment venu. Encore une chose, ce n'est pas en t'accrochant à cette pierre que tout s'arrangera. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Le téléphone! Ah ouais, alors cette interface de téléphone, incroyable! C'est sérieux ça? Putain de téléphone à cadran! Ici le docteur Hartford, nous relayons les appels d'urgence de Central Park! Bonjour, cher Central Park, je suis gravement blessé. N'êtes pas le seul, au moins vous respirez encore. Il y a des trousses de soins dans les toilettes du parc. Trouvez-en une et tiens-le, Drake, il crache du sang partout. Le surjeu. Les toilettes du parc. Surjeu sur 20. C'est génial! Aim, t'as vu? On est bien ici. Mon inventaire est plein. Bah, j'ai 10 milliards de piles. Quoi? Maintenez 2 pour ouvrir le menu de favoris. Ah, vous pouvez assigner vos objets. Ah, c'est bien ça. Hop. Raccourci, pistolet, lampe torche. J'ai combien? J'ai 10 milliards de piles. Bon, jeter. Prends les bandages. Et de l'autre côté, j'ai quoi? J'ai des bâtons lumineux. Bouteille en plastique explosive. J'en ai 2. 10. Celle-là, elle est à moitié vide. Hop, j'en prends une toute neuve. Consultez vos messages. Oh. Je l'ai dépassé en termes de... Quoi? Ah, c'est le...
C'est le médecin qui m'envoie un SMS pour me dire « Appuyez sur H pour passer en mode soin. » Putain, mais ta gueule. Je sais déjà ça. Hop là, un petit bandage. Un petit bandage et ça repart. Je suis en pleine forme. Quoi ça? Mais c'est des trucs que j'ai jetés. Là-dedans, on a quoi? Des torchons? Des munitions? Putain, il faut que je fasse des... Faut que je fabrique des cocktails Molotov. Faut que je libère un emplacement, là. J'ai quoi? Du scotch? Des bandages? Ah, mais j'ai plus de place. Les piles. Les piles pour la torche. Je vais changer les piles de ma torche. 61%. Associé. Hop. Voilà. Je vais prendre des torchons. Et je vais fabriquer des cocktails Molotov. Si. Voilà. Ah bah oui, voilà, de toute façon je suis obligé là, faut que je fasse péter le mur. Faut que je prenne ça dans une main et c'est le briquet dans l'autre. C'est bon, ça marche. Mais j'ai repris les piles. Non, je vais prendre les torchons. Voilà. Je vais pas récupérer les piles que t'as achetées, bah si, mais j'ai plus de place et je voulais garder des torchons pour faire des cocktails Molotov parce que c'est vachement pratique. C'est pas des piles rechargeables, non? Et non. Ah bah bien! Ah bah ça va être marrant, tiens. C'est reparti pour une petite phase de plateforme. Phase de plateforme incroyable. Range ton flingue. Bon, j'ai dit range ton flingue. Non. Putain, la torche. Putain, je peux pas prendre juste les mains vides, quoi. Et si. Si je saute là, c'est bon. De connard. Oh putain, il y a une espèce de... Il y a une espèce de... d'accélération de la souris, c'est trop chiant. Il y en a encore là des piles. Il y en a partout en fait. J'aurai le temps, j'en trouverai d'autres.
Alors ici, vous l'aurez compris, je dois mettre du poids au fond du bus pour éviter que celui-ci tombe vers l'avant. Donc il faut que je prenne les cadavres et que je les tire pour les mettre au fond. Ah non, tu vois, il les met à l'honneur, il essaye de les rendre utiles. Les cadavres. Là. C'est quoi ça? Des balles? Et lui, il a une posture bizarre, lui. Monsieur? Monsieur, ça va? Non, ça va pas, hein. Jean-Michel cadavre. J'ai une grosse batte. Et paf! Putain, il y en a deux en même temps. Allez, au revoir. Et paf! Oh merde, il y en a encore un! Lui, il est tellement gros que je vais pas pouvoir le faire voler. Putain. Ah ouais, ça marche pas. Putain. Pousse dans le feu! Voilà! Bon, le système de combat, c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant, c'est vrai, mais... Mais bon. Ça partait d'une bonne intention, on va dire. J'ai pris quelques tatanes, là. Comme neuf. Bon, c'est de la merde, mais franchement, ça va. Non, mais... Non, je sais pas, ouais, c'est pas de la merde. C'est juste, c'est un jeu qui est un peu trop en avance sur son temps, quoi. Il a voulu faire des trucs qui, aujourd'hui, sont complètement normaux dans les jeux, maintenant. Et qui, à l'époque... À l'époque, on n'avait jamais vu ça, et forcément, bah, c'était un peu foireux, quoi. C'était pas au point. Des balles encore. C'est une salle de bain. Bonjour. En fait, c'est un tas de petites merdes, mais le tout, ça va. Ah, t'es dur quand même. C'est pas ce que je dis non plus. Ah. Ah oui. Ah, c'est trop bien ça. Aïe.
Je peux rentrer dans la bagnole là. Bon alors, je sais qu'on est on est complètement à la verticale et que bon normalement tout ce qu'il y a dans la boîte à gants est censé tomber. Mais bon, on va être indulgent. Allez, je vais optimiser mon stuff. Voilà, j'ai un spray tout neuf. Quoi? Mais non, il est à 10%. C'est de la merde. Mais c'est de la merde. Putain. Et du coup, l'autre, je l'ai jeté, il est tombé je sais pas où. Bah, nique. Mettre la radio? Oh! Je peux allumer les phares. Stop! Putain! Et du coup, est-ce que je reviens avec mon spray tout neuf? Ah oui, 92, ah bah voilà, bah du coup, je vais pas prendre ce qu'il y a dans la boîte à gants. Putain, mais c'est quoi? Oh, la bagnole, elle bouge tellement en mode random. Ah ouais, alors là, je vais faire un truc trop stylé, attention. Vous êtes prêts? Mais je m'en bats les couilles du cadavre! J'ai un poisson. Les trompettes de la mort. Ah, c'est pas trop sombre le stream. Je crois que mon deuxième écran est vachement sombre et du coup sur le retour je vois rien, je vois que du noir. Dégueulasse. Je te propose un marché. Comme tu l'as fait avec Théo. Non merci, sans Allô façon. Allô de mémoire, monsieur Carnby. Toujours perdu au pays des merveilles. Carnby. Edward Carnby. Théo nous avait prévenu que l'invocation pourrait avoir des effets secondaires. Tu as fait des choses vraiment atroces dans ta vie, Edward. En fait, tu devrais même nous remercier. À ta place, moi aussi je préférerais oublier. Bien sûr, si tu tiens à te souvenir, je serais ravi de t'aider. Dis-moi. Relais ! Merde ! Merde ! Monsieur Carambar ? Pourquoi monsieur Carambar ?
Carambi ? Mais non, c'est Carnby. Carnby. C'est Edward Carnby. Bienvenue dans les égouts des mini-jeux de Seymour. Là, il va y avoir que des merdes dans ce genre-là. Putain, mais... Ils prennent pas mes balles ! Oh ! Oh, avec ça, je peux faire lance-flammes ! Avec le briquet et le spray, là. Faut que je jette un truc. J'ai deux trucs de soins. Je le jette celui-là. Rien à foutre. On garde qu'un. Yes. Du pchit qui flotte. Cette merde, ça fait de la lumière. Ah mais, bien sûr. Ah. J'aime bien les jeux vidéo. Ça doit être la porte que je dois emprunter, je suppose. Ah oui, oui, je me souviens de ça. Le câble. Je vais devoir prendre un truc pour bouger le câble. Bon, je suis plein. Ah, des bandages. Des bandages, j'étais pas au max. Mission. Des bâtons lumineux. Des balles. J'ai combien de balles? 107. Oh, je suis bien. Alors on va prendre la pagaie en bois parce que voyez-vous, si je prends le tuyau en métal, je vais juste m'électrocuter le cul. Quel sens du camoulox. Ah, attention. Ah ! Faire preuve de délicatesse. Hop là. Et ensuite, il faut aller chercher le truc là. Et on fait exploser la porte. Que vu que c'est en pente, ça va rouler, ça va être chiant. On se croirait dans Octodad. Mais ouais, carrément. Putain de merde. Ça va être relou.
pousse dans le coin, là, comme ça. Super! Ça va marcher! Y'en a une autre? Ah! Connard! Mais putain! Mais je veux la bonbonne de gaz! Voilà. Magnifique. Quel beau tuyau. Bon, est-ce que ça va rouler? Putain, ça roule! C'est trop chiant! Tu veux apposer ça? Sans que ça tombe? Vas-y, vas-y, j'en ai marre. C'était si simple. Bon, par contre, j'ai plus de... J'ai plus d'essence. Il y en avait une là, non? Il y a un spray. Je vais prendre le spray. Ah non! Une boîte à gants pour empêcher la bonbonne de rouler. Une boîte à gants? Ah! Je veux dire, une boîte à gants anti-gravité? Ah oui! C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est quoi? Me touche pas! Me touche pas, putain! Alors ça, c'est marrant, ça. Il y a une espèce de liquide noir dégueulasse qui nous tue instantanément si on met les pieds dedans, mais qui, du coup, craint la lumière. Donc il faut... Voilà. Il faut le repousser avec la lampe torche et avancer tranquillou. Ah bah voilà, petit raccourci. Je sais pas si ça va vraiment être utile. Ah. C'est un nid. On va le faire cramer tout de suite. Avant d'être emmerdé. Putain, mais tire ce câble, bordel de merde.
Bon là ça va être un peu tricky. Je pense qu'on va y aller avec ça. Ça. Pas ça du tout. Je sais pas combien de temps ça va rester allumé. C'est de la merde! C'est bon! Ça passe! Easy! Vite! Qu'est-ce que vous faites ici? Hé hey, vous auriez pas vu mes collègues? On a été séparés après l'attaque. Bon Dieu. J'ai vu tes collègues, ouais. Enfin, j'en ai vu un, hey, en tout cas. Vous entendez ça? Oh! Merde, non! Ça recommence! Regardez! Écoutez, j'ai une idée. Prenez ces câbles électriques et grillez-leur le cul. Eh, hey, c'est malin ça. On va leur griller on le cul. Va voir si ces saloperies aiment l'électricité. Vite. Touchez la clôture avec le câble pour leur griller les fesses. Il faut que je rallume le courant. Ah, c'est bon. Ces trucs puent la mort. Bon, faut que je retrouve mes collègues. Le parc est juste au-dessus. Bonne chance. Merci, Bobby.